Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je suis au taquet aujourd'hui, je suis hyper contente. On s'est couché super tard parce que ma sœur, donc Eva, est arrivée hier. Donc on a beaucoup parlé, on a traîné dans la maison. Mais j'arrive pas trop à dormir non plus parce que je suis trop excitée de la voir. Vraiment, c'était trop cool de se retrouver. Elle reste là pendant une petite semaine, donc on aura le temps de bien profiter ensemble, sortir, se promener et tout. Je suis hyper contente. Et voilà, bon là ils dorment tous. Bien évidemment, midi, tu toques dans les portes, tu les appelles, personne répond. C'est dinguerie. Alors, Laurent, Emine et Eva, eux, quand ils dorment, il n'y a rien à faire. Et Sarah, c'est un intermittent, en fait. Elle se réveille, elle dort, elle se réveille, elle dort. Voilà, je vais aller chercher mes enfants aussi à l'école. Chelsea, aujourd'hui, elle est sortie scolaire. Chose que je déteste, je vais vous dire pourquoi. Et elle le sait, hein, et elle est hyper compréhensible là-dessus. Mais je peux pas en fait. J'ai extrêmement peur du bus scolaire. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais genre, je fais une fixette là-dessus. Donc, j'aime pas trop qu'elle aille en sortie. Mais là, aujourd'hui, je l'ai autorisée parce qu'ils allaient à la mosquée. Donc, du coup, je m'étais dit que c'était hyper intéressant et cool pour elle de vivre ça avec ses copains de la classe. Kayden, lui, cette semaine, c'est la semaine de la zaquette. Donc, en fait, ils font des gâteaux à l'école, etc. Et ils vont distribuer aux hommes sur les chantiers, autour de l'école, tout ça. Donc, ils leur apprennent ce que c'est la zaquette. Donc, je trouve ça hyper bien. Donc, forcément, je les laisse participer à ce genre de sorties. Mais j'avoue que des fois, quand c'est des sorties telles qu'un musée ou quoi, c'est mort, quoi. Je veux pas qu'ils y aillent. Mais voilà. Donc, du coup, je vais aller chercher ma poupée et mon petit prince. Et puis j'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Et puis je vous ferai une petite story avec ma soeur tout à l'heure.